Nous avons le plaisir d'être reliés avec Emanuela Prinzivalli, qui sera notre premier orateur, ou plutôt oratrice, de l'après-midi. Alors, ça va se passer d'une manière un peu différente des autres fois, parce que pour éviter la dispersion linguistique entre une projection de texte en français et un oral en italien, finalement, une autre solution a été préférée, c'est Élie Roulet qui lira le texte français de la communication d'Emanuela Prinzivalli, mais elle va cependant quand même nous adresser en direct quelques mots, et puis elle sera connectée aussi, je lui demande de bien penser à rester connectée jusque vers 15h15, où nous aurons le petit temps de discussion après les deux premières communications. Donc, je présente rapidement la professoresse Prinzivalli, qui est bien connue de tous les patrologues du monde entier, étant donné son activité d'enseignement à Rome, à l'Université de Rome, à la Sapienza, depuis de longues années. Et Emanuela Prinzivalli est très active dans le domaine de recherche de l'exégèse patristique. Elle a consacré des travaux à Méthode d'Olympe, à Didyme l'aveugle et aussi tout particulièrement à Origène, dont elle a été l'éditrice pour les homilies sur les psaumes, celles que, avant la découverte de Mayence, on avait, et donc qu'elle a édité dans la Bibliotheca Patristica, et puis à Sources chrétiennes. Et puis, naturellement, elle a participé également à la nouvelle édition des homilies sur les psaumes, faite par Lorenzo Perone dans les GCS, où elle a fait une étude en introduction sur la comparaison avec la version de Ruffin, justement, et le texte retrouvé d'origine. Elle participe également à de nombreux comités de revues, elle est dans beaucoup de colloques et d'entreprises internationales, c'est pourquoi elle est une professeure et chercheure bien connue de tous. Alors, merci à elle d'inaugurer cet après-midi. Emanuela Prinzivalli, je vous donne la parole. Oh, merci, Monsieur le Président, pour cette généreuse présentation. Et je remercie l'organisateur pour l'invitation à cette conférence. Le père Élie a gentiment traduit ma communication en français afin que le public puisse mieux suivre. Je lui ai proposé de lire lui-même étant un locuteur natif. Et je vais suivre avec plaisir et répondre à les questions. Merci beaucoup. Si vous me permettez, avant de commencer la lecture de la communication de la professoresse Emanuela Prinzivalli, je veux dire combien j'ai été touché et honoré de pouvoir traduire son texte dont vous allez percevoir sans aucun doute tout l'intérêt et toute la pertinence dans le cadre de notre colloque. La communication s'intitule « La conception de la synodalité » chez Eusèbe et ses continuateurs. Plutôt qu'une conception de la synodalité, nous trouvons dans l'œuvre historique d'Eusèbe de Césarée et de ses continuateurs des récits qui illustrent les modalités et les objectifs de la synodalité en lien avec les grands personnages des différentes périodes historiques, principalement des évêques, mais pas seulement. Vu l'ampleur du sujet, j'ai en effet examiné après Eusèbe les histoires ecclésiastiques de Ruffin, Socrate, Sozomène et ce qui nous est parvenu de Philostorge. Je suis obligé de circonscrire mon propos. Je me concentrerai donc sur deux points. Premier point, le traitement sélectif par Eusèbe du matériel concernant les synodes célébrés à l'époque préconstantinienne, afin de comprendre les raisons qui ont présidé à la matière dont ils ont été ou non présentés. Deuxième point,
le traitement du Concile de Nicée, qui représente un véritable tournant dans l'histoire, par Eusèbe et les historiens qui lui ont succédé. Grand 1, un terme générique et une variété de cas. L'étymologie du terme synode correspond, comme on le sait, à un sens plutôt large et générique. En grec, synodos signifie rassemblement, réunion, convention. En latin post-classique, synodus. Le même caractère générique affecte le terme latin concilium. Synodos désigne une assemblée, un rassemblement d'un certain nombre de personnes discutant, échangeant des idées ou décidant de quelque chose. Mais le sens peut être encore plus général. Pour en rester aux auteurs chrétiens, Denis d'Alexandrie, par exemple, dans une lettre rapportée par Eusèbe dans son Histoire ecclésiastique, livre 6, 46, utilise le terme pour désigner une fête de mariage, par exemple. Dans l'acception chrétienne qui s'est renforcée avec le temps, le terme synode désigne les réunions de délégués de différentes églises en vue de résoudre des problèmes d'intérêt collectif. Toutefois, étant donné que le moyen de l'assemblée, comme nous le disent les sources, se situe aux origines du phénomène chrétien et compte tenu du caractère générique du terme, il faut distinguer soigneusement les différentes modalités et formes que prennent ces assemblées selon les époques et les contextes locaux. Lorsqu'on examine les récits d'Eusèbe dans l'Historia Ecclesiastica, le terme synodos ne nous aide pas forcément, car parfois il est absent, alors que d'après la manière dont Eusèbe présente l'événement, on pourrait penser qu'il fait référence à un synode. Mais, en sens inverse, il n'est pas certain que la présence du terme corresponde effectivement à un synode au sens mentionné plus haut. Parfois, ensuite, il désigne une assemblée chrétienne au sens liturgique. Il faut donc examiner au cas par cas et essayer de comprendre d'une part l'interprétation d'Eusèbe et d'autre part la nature réelle de l'événement qui ne coïncide pas nécessairement. Il y a quelques années, dans un dialogue avec Éric Junot, Enrico Norelli a souligné avec des arguments convaincants que les assemblées décrites par Eusèbe dans l'Historia Ecclesiastica sont de différents types et que ce n'est qu'à partir de celles qui ont été réunies au sujet de la question pascale que l'on peut parler de synode au sens propre. Avant lui, Alberto Camplani avait réfléchi à la tendance anachronique de projeter sur les assemblées chrétiennes décrites par les sources anciennes l'idée de concile intériorisé de manière subconsciente, citation, par les savants modernes en suivant une histoire millénaire. La citation est de Camplani. Parfois, il s'agit d'un synode au sens chrétien propre, parfois d'une réunion entièrement interne à une église, parfois d'un certain nombre de personnalités faisant autorité dans d'autres régions qui sont invitées à la réunion interne à une église afin de résoudre la question qui se pose dans cette église ou qui unit plusieurs églises voisines dans la problématique. Cela semble être le cas des assemblées antimontanistes où des évêques de l'extérieur étaient invités pour remplir des fonctions d'exorcistes plus que de débatteurs doctrinaux. Ce qui se jouait dans ce cas relevé d'un conflit d'autorité entre le charisme prophétique et la hiérarchie établie, lequel pouvait être résolu en faveur ou non de la personne charismatique si la présence d'un esprit mauvais était démontrée en elle. Existent également des cas où le sujet était théologique et où, par conséquent, les personnalités extérieures étaient des experts en théologie, les anciens didascaloi, dont le rôle au IIIe siècle semble perdurer, dans la mesure de la cléricalisation assimilant presbytéra et didascalia. Comme en témoignent les invitations adressées à Origène par des évêques de diverses régions, nous avons conservé parmi les papyri de Toura le dialogue avec Héraclide qui se déroule en présence d'au moins deux autres évêques. Deuxième paragraphe. Experts en assemblée et synode.
Il est moins évident que le cas de l'intervention de Denis d'Alexandrie dans la communauté millénariste de la région arsinoïte, le Fayoum, corresponde à ce type d'assemblée. Là, Népos, évêque des Égyptiens, mention qui pourrait faire allusion à une sorte d'évêque itinérant parmi les villages, ou comme le pense simplement Vipsika, un des évêques d'Égypte, avait renforcé, grâce à son écrit contre les allégoristes, la croyance millénariste. Je dis renforcé parce que nous savons, grâce aux sources dont nous disposons, que le millénarisme est ancien et n'est certainement pas arrivé en Égypte comme Eusèbe, à la suite du récit de Denis, comme Eusèbe veut nous le faire croire à la suite du récit de Denis. À un moment donné, cependant, il est contré par les partisans d'une eschatologie spiritualiste dont l'évêque Denis, à laquelle Népos s'oppose, effectivement. D'après la manière dont s'exprime Denis dans son volume sur les promesses écrites contre Népos, dont Eusèbe rapporte un extrait, dans la région arsinoïte, plusieurs presbytres didascaloi, de fonctions qui semblent maintenant équivalentes, perpétuent l'enseignement de Népos après sa mort. À ce point, Denis dit que schismata kai apostasia holon ecclesion s'était produit, toujours de son point de vue qui considère le millénarisme inacceptable et juge donc impraticable le désir de certaines communautés de maintenir cette ancienne croyance, et que lui, par conséquent, avait convoqué les presbytres et les enseignants des villages, sans négliger les frères qui avaient souhaité être présents. Le verbe sunkaleo, utilisé ici pour parler de la convocation des presbytres et enseignants, est utilisé pour désigner tout type de rassemblement, mais aussi la convocation d'un synode. Cependant, peut-on qualifier de synode, au sens mentionné ci-dessus, cette convocation? Ce n'est pas le cas. Denis convoque l'assemblée, mais il semble être le seul évêque présent. Et il se comporte d'ailleurs en expert, se rendant sur place comme Origène, discutant avec tous, selon des procédures préétablies, même si, sur la base de ses propos, l'interlocuteur principal s'avère être Korakion, dont il ne donne pas la qualification ecclésiale, mais dit qu'il était le chef et le principal interprète de la doctrine millénariste. Nous sommes en présence d'une typologie mixte. Campani parle ici de réunions locales, qui nous révèle la ductilité et les contours insaisissables de l'institution assemblée. En outre, l'activité synodale, proprement dite en Égypte, devait déjà être bien établie si l'on considère que Démétrius fut le premier à ordonner des évêques, au nombre de 10, en dehors d'Alexandrie. Si l'on se réfère à l'Apologia pro Origene, rapportée par Photius, selon laquelle Démétrius convoqua contre Origène, citation, un synode d'évêques et de quelques autres presbytres. Compte tenu de la précision de ce rapport, tout à fait crédible, il est significatif que Eusèbe ne parle pas d'un tel synode et qu'il dissimule cette circonstance, se limitant à dire de manière plus générale, mais plus critique à l'égard de Démétrius, qu'il a, citation, essayé de l'accuser, il parle d'Origène, devant les évêques du monde entier pour son geste inapproprié, fin de citation, c'est-à-dire pour l'automutilation, là où le sous-entendu effectif de l'accusation de Démétrius était d'une nature différente, strictement doctrinale, et concernait surtout un conflit d'autorité entre lui et le didascalos Origène. Troisième paragraphe, Eusèbe oriente le récit. Mais le cas de Denis d'Alexandrie aux prises avec les arsinoïtes est également exemplaire pour montrer comment Eusèbe utilise les sources qu'il rapporte dans son œuvre. De façon spécifique, son intention est double. Blâmer la clairvoyance millénariste et vanter le rôle de Denis d'Alexandrie, l'un de ses héros.
avec Irénée et dans une plus large mesure Origène. Il omet de préciser l'issue finale et globale de l'histoire pour ne mettre en évidence que l'action décisive de Denis. Le moyen d'orienter le récit dans la direction souhaitée est très simple. Eusèbe coupe la lettre de Denis au moment où l'évêque alexandrin, après avoir fait l'éloge de la majorité de la communauté d'Arsinoé, qui s'était laissé convaincre par ses arguments contre le millénarisme, ajoute quelque chose, et ce quelque chose concerne très probablement ceux qui ne s'étaient pas laissés convaincre. La coupure est évidente, car Denis écrit un grec correct, et nous avons ici un texte où le pronom corrélatif « oimen » se est laissé en suspens. Évidemment, la phrase qui suit avec le corrélatif adversatif « oide » n'a pas été transcrite. Nous n'avons pas les détails de la conclusion du récit, et ce n'est pas un hasard si Ruffin, pour remédier à la porie, dans sa traduction latine, élimine la corrélation et change le sens du sujet qui devient « omnes reliqui », qui signifie alors la totalité des présents. Je retrouve mon texte, voilà. Ici, Eusèbe se contente d'arrondir les angles. En revanche, dans le cas précédent concernant la controverse pascale à la fin du IIe siècle, que Norelli a finalement exprimé en détail, Eusèbe dispose les sources qu'il rapporte de manière à suggérer que Victor avait effectivement excommunié, et pas seulement menacé, les églises d'Asie, de sorte que l'intervention d'Irénée apparaît plus méritoire et décisive, conseillant à Victor de comprendre et de tolérer la position quarto-décimane, parce que, bien qu'elle diffère de la position majoritaire, elle ne touchait pas à la règle de la foi. Cependant, le même fragment de la lettre d'Irénée citée par Eusèbe indique clairement que l'excommunication n'avait pas encore eu lieu. Tout aussi flagrante est la différence entre ce que dit Eusèbe, qui qualifie la célébration des églises d'Asie d'ancienne coutume, avec une dévalorisation évidente par rapport à la célébration dominicale apostolique, et ce que dit Irénée en sens exactement inverse, qui considère la célébration asiatique quarto-décimane comme apostolique et attribue au contraire à la célébration dominicale la qualification moins autorisée de coutume. Ce que j'ai sommairement dit jusqu'ici, mais on pourrait ajouter d'autres exemples pour le confirmer, conduit à une conclusion. Eusèbe introduit ou disloque en plusieurs parties, parfois en les démembrant, des passages d'une même source, souvent une lettre. C'est-à-dire qu'il rapporte ces sources de façon à les faire entrer dans sa propre interprétation, mais il ne les manipule pas de façon interne à leur contenu. Le texte rapporté n'est pas modifié par Eusèbe, et donc parfois, il contredit ce que Eusèbe lui-même affirme. Venant à traiter de la querelle, on va, la professoresse a mis ça, tra parentesi, il paragrafo che segue, lo lasciamo e passo subito all'altro. Il y a une parenthèse qui a été ajoutée par la professoresse Principali pour dire que ce passage n'était pas forcément absolument nécessaire à lire. C'est un autre exemple. Nous continuons donc. Encore plus obscur, voire totalement obscur, juste après dans le récit de Zeb, se trouve être la question des deux Denis. Eusèbe dit que, dans sa lettre sur le baptême adressée à Sixte, le successeur d'Étienne, Denis, mentionne également la montée de la propagande sabellienne à Ptolémaïs. Pietras suppose que cette mention a été faite par Denis afin de présenter aux Romains la complexité de la question baptismale qui ne pouvait être résolue de manière aussi tranchante si on admettait toujours, et quoi qu'il en soit, la validité du baptême hérétique. Il se peut aussi que Denis ait commencé à préparer de cette manière une défense pour son action décisive anti-sabellienne, qui lui valut, comme nous le savons par Athanase, la double accusation directement
auprès de Denis de Rome, de la part d'une partie de ses fidèles, d'avoir dit que le fils était poiema du père et qu'il ne lui était pas consubstantiel. À la suite de cette accusation, comme nous le savons aussi par Athanase, le Romain convoqua un synode qui prononça une censure contre l'Alexandrin. En conséquence, ce dernier fut contraint de se défendre auprès du Romain par une réfutation et une apologie, ce qui donna à Athanase l'occasion d'argumenter contre les Homéoutiens l'admission par Denis, à quelques différences près, de la licéité de l'Homoousios. Les raisons de l'embarras dans ce cas sont multiples pour Eusèbe, qui mentionne dans une liste de lettres de Denis, de manière tout à fait anodine, des Thessara Sugrammata, au sujet de l'argument des Sabelliens à l'encontre de l'évêque éponyme de Rome. C'est ainsi que disparaît le synode romain, englouti dans les ténèbres, comme toute l'affaire. L'attitude d'Eusèbe à l'égard des synodes contre Paul de Samosate est tout à fait différente. À vrai dire, le début de la mise en accusation de Paul n'est pas clair. Qui a convoqué le synode, ou plutôt les synodes contre Paul? Eusèbe laisse tout cela dans le vague, se limitant à citer le cas de Denis d'Alexandrie, qui, ayant été convoqué, invoquait des raisons de santé pour s'en dispenser. Convoqué par qui? Les évêques qui ont été convoqués sont, selon diverses sources, nombreux et ne proviennent pas seulement de sièges proches. Il est difficile d'imaginer qu'ils auraient pu organiser l'offensive contre Paul sans la sollicitation d'une partie du clergé d'Antioche. Dans ce cas, Eusèbe valorise le rôle des synodes dont il dit qu'ils ont été nombreux à la suite du premier. Le plus décisif, qui s'est tenu en 268, fut celui de l'excommunication de Paul grâce au contre-interrogatoire du rhétoricien et prêtre Malchion. Pourquoi une telle disparité de traitement? Et de façon générale, que nous apprend la position d'Eusèbe sur les synodes avant l'époque de Constantin? Eusèbe n'est pas totalement silencieux sur un éventuel conflit entre le rôle épiscopal et la modalité conciliaire, cf. Le cas de Victor. Mais sa stratégie narrative tente à orienter dans tous les cas vers le résultat considéré comme salutaire pour les églises. Lorsque le conflit ne trouve pas de solution, Eusèbe refuse d'en rendre compte. C'est ce qu'il dit de manière programmatique au début du livre 8, alors qu'il attribue le châtiment de la persécution de Dioclétien aux querelles et à la haine mutuelle entre les évêques. Il ne s'attarde même pas sur les synodes qui s'avèrent défavorables à ses héros. D'après une autre source, Pamphile, rapportée par Photius, nous savons que Démétrius a convoqué un synode à Alexandrie contre Origène, alors que nous avons vu plus haut comment Eusèbe dissimule toute l'affaire. Sur l'accusation contre Denis d'Alexandrie et le synode romain qui s'en suivit, il demeure totalement silencieux. Au contraire, il devient explicite lorsqu'un synode ou une assemblée condamne une doctrine qui lui déplaît. Mais en général, sa vision de l'Église met davantage l'accent sur les évêques et leurs relations directes par le biais de lettres. En effet, il ne faut pas oublier que Eusèbe considère comme fondamentale la tradition apostolique dont découle le rôle des évêques. Son œuvre est construite sur la base d'une analyse sur la succession épiscopale dans les sièges les plus importants de l'Orient, auquel il ajoute Rome. En tout état de cause, il est tout à fait anachronique et étranger à sa perspective orientale d'envisager une quelconque prééminence de l'évêque de Rome sur les synodes ou sur ses personnages préférés. Quatrième paragraphe. La nouveauté de Constantin par les historiens ecclésiastiques. L'historia ecclésiastica d'Eusèbe au sujet des synodes se termine sur la nouveauté révolutionnaire de Constantin, à savoir le texte intégral des deux lettres de convocation par lesquelles Constantin, en tant qu'empereur chargé de sauvegarder ce qui était sur le point de devenir la Pax Dei Christianorum, convoqua une première réunion à Rome, puis une autre à Arles.
Ici, une autre histoire commence. À y regarder de plus près, malgré le titre donné par Euseb à la lettre, qui fait référence à un synode, ce que Constantin a l'intention de convoquer à Rome, selon ses propos, est plutôt un arbitrage en présence de l'évêque de Rome et des trois évêques d'Autun, de Cologne et d'Arles, entre deux parties composées chacun de 10 disputeurs. Ce sera l'évêque de Rome, Milciade, qui fera de ce rassemblement envisager un synode, octobre 213, en ajoutant 15 évêques italiques et allant ainsi au-delà de l'intention de l'empereur. Ce dernier, de son côté, suite aux protestations des donatistes, convoque à Arles un véritable synode, le premier impérial cette fois, en l'absence de l'évêque de Rome, démontrant ainsi de fait qu'il était, pratiquement depuis le début, l'arbitre authentique et le chef de l'Église. Cette nouveauté se consolide à travers la manifestation sans précédent du Concile de Nicée en 325. À l'approche de l'anniversaire du Concile, en 2025, et sachant le flot d'initiatives à ce sujet, je me contenterai d'en parler ici en me référant aux différentes présentations faites par Euseb dans la Vita Constantini et par ses émules Rufin, Socrate, Sozomène et Philostorge. Lorsque Socrate, dans la préface de son Historia Ecclesiastica, stigmatise le traitement de la crise arienne par Euseb dans la Vita Constantini comme étant exclusivement encomiastique, il souligne de donner de fait, mais pas le motif profond qui a poussé Euseb à traiter une controverse dont il avait été lui-même l'un des protagonistes, uniquement du point de vue de l'œuvre de pacification de Constantin. Euseb de Césarée, en effet, avait été parmi les défenseurs d'Arius. Il avait accusé Alexandre d'Alexandrie dans une lettre importante, conservée dans les actes du deuxième concile de Nicée, d'avoir calomnié Arius comme ayant soutenu, citation, que le fils est dérivé du néant comme l'une des créatures, fin de citation, alors que ce dernier, au contraire, avait dit, citation, non comme l'une des créatures, fin de citation, et avait subi une condamnation provisoire au concile d'Antioche, une réhabilitation au concile de Nicée, et selon la lettre adressée à son église, avait participé activement au débat. Rien de tout cela n'apparaît dans la Vita Constantini. Au-delà de l'admiration sincère pour l'empereur, qui avait renversé le sort des chrétiens persécutés, il faut comprendre le point de vue eusébien déjà exprimé auparavant et clairement dans l'Historia Ecclesiastica sur les divisions internes des églises. Celles-ci sont une tragédie causée par l'envie du diable qui utilise cependant les hommes d'église eux-mêmes comme agents, représentant ainsi le plus grand des malheurs. Par conséquent, même si Constantin minimise la signification théologique de la dispute dans sa lettre à Alexandre et à Arius, tandis que Euseb, dans son conflit ultérieur avec Marcel d'Ancyre, montrera à quel point la signification théologique lui tient à cœur, la substance de ce que l'empereur dit dans la lettre est partagée en profondeur par Euseb. Et quelle est cette substance ? Constantin réunit dans l'accusation d'imprudence les deux prétendants qui ont voulu s'exercer sur ce qui doit rester un mystère. Le silence d'Euseb sur les détails des aspects doctrinaux de l'affaire dans la Vita Constantini est entièrement consécutif au rejet programmatique manifesté dans l'Historia Ecclesiastica. Pour Euseb, les hérétiques déclarés et condamnés dans le passé, ceux qui sont énumérés dans la lettre de Constantin aux hérétiques et qui correspondent à ceux qu'il mentionne dans l'Historia Ecclesiastica, sont une chose. Autre chose est l'affrontement qui a eu lieu, dans lequel les protagonistes sont honteusement des personnages contemporains qui ont la responsabilité d'Église. Euseb exalte sans mesure, comme nous le verrons, la valeur absolue du Concile et précise que seul Constantin, depuis l'origine du monde, avait noué une telle couronne pour le Christ, en commençant par rappeler que l'initiative du Concile lui revient, tout comme les solutions pour permettre aux évêques d'y participer, en utilisant le cursus publicus. En bref, Constantin et le Concile sont vus dans une relation mutuelle. Euseb est bien conscient de la nouveauté que représente le caractère potentiellement universel du Concile de Nicée, comparé à la Pentecôte du chapitre 2 des Actes des Apôtres, où toutes les nations sont représentées.
le haut niveau de signification symbolique, étant donné qu'à cette occasion est descendu l'Esprit Saint, et tout à la faveur du Concile Constantinien, par rapport auquel, pourrait-on dire, l'épisode des Actes ressemble à une anticipation typologique. La Pentecôte, en fait, dit Eusèbe, manquait de quelque chose. De quoi ? Il manquait qu'ils ne soient pas tous ministres de Dieu. Citation. En effet, Eusèbe précise immédiatement après qu'il y avait une procession d'assistants, dont certains devaient être des laïcs, en plus bien sûr des nombreux presbytres et diacres. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait plus de 250 évêques présents, un nombre destiné à croître progressivement dans les sources, jusqu'au chiffre symbolique de 318. Cela confirme le noyau vital de l'ecclésiologie de Zeb, déjà clair dans l'Historia Ecclesiastica. L'Église est fondée sur les successions apostoliques, c'est-à-dire sur les évêques, mais, et c'est l'élément qui est repris avec encore plus de force que dans l'Historia Ecclesiastica, sa garantie et son soin sont confiés à l'empereur. Aucun nom d'évêque n'est mentionné, car le seul nom qui doit ressortir est celui de l'empereur, selon les lois de la citation élogieuse. Toutefois, deux allusions spécifiques méritent d'être soulignées. La mention d'un personnage célèbre et très estimé parmi les Espagnols, à savoir Osius de Cordoue, et immédiatement après, la mention de l'absence, due à son âge vénérable, de l'évêque de la ville Rennes, à savoir Sylvestre. Cela dit, tout le récit ultérieur à Constantin comme seul protagoniste, à l'exception de la mention du discours de l'évêque du premier siège à droite, dont l'identité est incertaine. Il est inutile de s'attarder ici sur les détails bien connus du récit, comme le caractère hautement symbolique même du siège de Constantin, petit certes, mais central par rapport au siège des évêques, et fait d'or, ou bien la comparaison de l'empereur à un ange céleste. Constantin apparaît comme le médiateur entre les différentes positions, le tisseur infatigable de la solution commune, et l'on rapporte de lui aussi bien le discours qu'il a prononcé en latin devant les évêques que la lettre à toutes les églises, où, après une première mention de la question doctrinale, il insiste sur la solution pour la Pâque. Si l'on se tourne vers les continuateurs de Zeb, le ton et le contenu changent quelque peu. Pour comprendre le changement de perspective, il faut d'abord garder à l'esprit que tous, à commencer par Ruffin, qui est le plus ancien, écrivent après que la controverse arienne ait été doctrinalement close avec le Concile de Constantinople. Entre-temps, il y avait eu une production intense et une documentation variée, mais elle n'avait pas toujours été utilisée par eux. En outre, le récit propre aux historiens ecclésiastiques diffère du genre encomiastique de la Vita Constantini, ce que Socrate ne manque pas de souligner pour marquer la différence entre son œuvre et celle de Zeb, bien qu'il soit redevable à la Vita à bien des égards. Ainsi, ce que Zeb avait passé sous silence apparaît dans ses continuateurs, à savoir le contenu doctrinal de la controverse et la délimitation des protagonistes initiaux, Arius et Alexandre, que Zeb, pour sa part, n'avait même pas mentionné. Leurs noms n'apparaissent dans la Vita Constantini que dans la lettre de Constantin. Cependant, les différences entre l'un et l'autre ne manquent pas. Dans le récit de Ruffin, on sent déjà un haut degré de stylisation. D'une part, il s'appuie sur le topos de l'hérétique Arius, avide de gloire et de nouveauté, opposé au doux Alexandre, pour protéger la vieillesse, duquel Ruffin s'empresse de nommer Athanase, le héros des Occidentaux, lui aussi valorisé par Socrate et Sozomène. D'autre part, la controverse doctrinale, résumée dans la vision de Nicée, par laquelle Arius a tenté de séparer le Fils de la substance éternelle et ineffable de Dieu le Père, est présentée comme la victoire de la simplicité de la foi sur les subtilités des philosophes et des dialecticiens. Socrate et Sozomène ont hérité, bien qu'avec moins d'emphase, de la conviction qu'une foi simple
a prévalu à Nicée sur les efforts dialectiques. Constantin est toujours exalté, mais sa prééminence est réduite. À partir de l'initiative du concile prise suite à la suggestion des évêques. Il est l'empereur Religiosus actif dans l'œuvre de réconciliation des évêques, dont il brûle les libellés d'accusations réciproques, mais dont il assume avec vénération, comme si elles émanaient de Dieu, les délibérations unanimes, mis à part le petit nombre de partisans d'Arius, délibération unanime sur l'homoousios. Si Ruffin rapporte les canons conciliaires, en accordant très peu d'importance à la décision sur la Pâque, il souligne le rôle des personnes éminentes pour leur sainteté. C'est ainsi que l'on voit le confesseur anonyme confondre le philosophe contre lequel aucun des évêques savants n'avait réussi à se prévaloir. C'est ainsi que l'on voit Constantin embrasser l'orbite vide de l'œil de l'évêque confesseur Paphnutius, arraché pendant les tortures de la persécution. C'est ainsi que l'on raconte les miracles de l'évêque Spyridon, qui n'ont rien à voir avec Nicée. Socrate, bien qu'il ne soit pas favorable à Arius, souligne que sa réaction à la prédication d'Alexandre dans l'assemblée du clergé local était due à la crainte d'une chute dans le sabellianisme. Il s'agissait donc, pour ainsi dire, d'une erreur de jugement dans la réaction et non d'une provocation spontanée. Socrate semble porter à éclaircir les prodromes de la controverse et il rapporte un certain nombre de documents importants, à commencer par la lettre circulaire d'Alexandre contre Arius et les siens, mais aussi et surtout contre l'initiative de Zeb de Nicomédie de défendre Arius, qu'il fait suivre de la lettre de Constantin à Alexandre et Arius, déjà rapporté par Eusèbe. Le commentaire de cette lettre par Socrate reproduit le jugement d'Eusèbe. Les conseils de Constantin sont merveilleux et pleins de sagesse. Mais les contestataires étaient maintenant allés trop loin dans la dispute. Socrate, par rapport à Ruffin, redonne pleinement la centralité de Constantin, soit au travers de la citation explicite de certaines parties de la Vita Constantini, comme le passage clé dans lequel Eusèbe compare la Pentecôte et le concile de Nicée, à l'avantage de ce dernier, soit au travers de l'intervention doctrinalement décisive de l'empereur. En même temps, une série d'ajouts enrichit le récit. Socrate ajoute des documents, dont une liste des participants à Nicée. Il incorpore du matériel hagiographique provenant de Ruffin et l'intègre dans le cas de Paphnutius. Mais surtout, il introduit l'autorité d'Eusèbe de Césarée pour contrer le jugement négatif sur Nicée exprimé par le macédonien Sabinus d'Héraclée, dont il utilise le recueil des actes du concile, aujourd'hui perdu. Socrate reproche à Sabinus la contradiction entre les éloges qu'il réserve à Eusèbe et à Constantin et son mépris pour la foi de Nicée, considérant qu'Eusèbe lui-même l'avait accepté après un mûr examen. À cet égard, Socrate rapporte la précieuse lettre d'Eusèbe à son église pour justifier sa souscription à l'homoousios. Socrate reprend la défense d'Eusèbe. En outre, un certain nombre de sources orales concernent des personnages de l'église novatienne à laquelle Socrate s'intéresse. Sozomène ne mentionne jamais Socrate, mais il est clair que son œuvre prétend l'imiter ou le contredire sans le mentionner, comme dans l'interprétation différente donnée à l'épisode de l'échange de plaisanterie entre l'évêque novatien Acésius et Constantin, dans lequel Socrate croit voir un éloge de Constantin à l'égard d'Acésius, alors que Sozomène, à juste titre, comprend que Constantin se moque de l'intransigeance d'Acésius. Sozomène choisit délibérément de ne pas transcrire de documents, rompant ainsi avec la tradition inaugurée par Eusèbe afin de produire un récit plus compact. À certains moments, il montre qu'il a complété son. À d'autres, il enrichit encore les indices hagiographiques que Socrate a hérités de Ruffin. L'importance que Sozomène accorde au concile de Nicée est mise en évidence par le fait que le premier livre de son Historia Ecclesiastica se termine par la mention de celui-ci,
divisant en deux la matière que Socrate avait traitée en un seul livre jusqu'à la mort de Constantin. Son attention au prodrome de l'affaire arienne est plus grande que celle de Socrate. La personnalité d'Arius est décrite sous un jour défavorable en raison de ses différents passages du camp de Mélésius à celui des évêques d'Alexandrie. Alors que Socrate n'avait parlé de l'accord entre Mélésius et Arius qu'après le début de la controverse. Et la doctrine d'Arius est présentée de façon extrême, comme par Alexandre dans sa lettre. Cependant, Sozomène admet que la question soulevée par Arius est ambiguë et difficile, à tel point qu'Alexandre, et c'est aussi une information donnée par le seul Sozomène, réunit plusieurs fois le clergé pour discuter de la thèse d'Arius et de la thèse opposée. En ce qui concerne... Il reste 15 lignes. En ce qui concerne les développements négatifs ultérieurs, Sozomène présente l'affaire de manière à faire comprendre, même si ce n'est pas explicite, que les deux parties ont commis des erreurs. Arius, en n'acceptant pas de changer d'avis une fois qu'Alexandre, après plusieurs hésitations, s'était rangé à la thèse consubstantielle. Alexandre, de son côté, en agissant de manière autoritaire et imprudente, en étendant encore la dispute par la lettre dans laquelle il accuse ouvertement Eusèbe de Nicomédie. C'est alors que l'intervention de Constantin devenait nécessaire. Sozomène suit essentiellement Socrate en présentant l'initiative de Constantin en deux temps, d'abord avec la mission pacificatrice d'Osius et ensuite avec l'idée du concile universel. Et il est également d'accord avec lui en ce qui concerne le rôle décisif de Constantin dans le règle de la question strictement doctrinale. Il reste peu de choses de l'Historia Ecclesiastica de le nommer un philostorge pour faire comprendre correctement sa position au sujet du concile de Nicée, l'homoousios étant évidemment totalement inacceptable pour lui. Certains détails, comme l'accord antérieur au concile entre Osius et Alexandre sur l'homoousios, peuvent être vrais, d'autres sont clairement invraisemblables parce qu'anachroniques, comme le fait que certains partisans d'Arius, appelés à souscrire, aurait avec astuce écrit « homoi ousios » au lieu de « homoousios » pour ne pas renier leurs propres idées. L'affirmation la plus difficile est la reconnaissance que pratiquement tout le monde était d'accord sur la foi de Nicée. Philostorge confirme les louanges à Constantin et il serait douteux qu'il ait utilisé l'histoire tragique de son fils Crispus dans un sens anti-constantinien. Sabinus d'Héraclée avait d'ailleurs lui aussi séparé le jugement de Constantin sur celui de Nicée. La comparaison entre Eusèbe et ses continuateurs, en conclusion, montre que tous étaient conscients du tournant que représentait Nicée. Dans tous les cas, l'authentique protagoniste du concile apparaît comme Constantin, et ce au moment même où l'on souligne la valeur particulière de ce concile universel. Seul le Ruffin occidental tente de rééquilibrer le rôle des évêques, mais de manière plutôt fade. Merci.